Mon père a émigré depuis l'Italie, était antifasciste, s'est installé à Aix, a épousé ma mère qui était du même pays, ont créé cette famille et ont fait 6 enfants. J'ai la chance d'avoir cette culture française et cette naissance dans une famille italienne qui a enrichi en fait ma vie, mon vocabulaire, l'éducation alimentaire, la curiosité. C'est ça, être fils d'émigré, c'est une chose de très difficile, mais très fantastique en même temps. Ce goût est né en fait d'origine. Mon père était ailleurs. Donc j'ai commencé à coudre quand j'avais 6 ans. Et mon premier jouet était la machine à coudre. Et je suis arrivé à Paris sans argent, sans rien. Je ne connaissais personne. Et j'ai eu, à force d'acharnement, la possibilité, la chance extraordinaire de rentrer chez Balenciaga. Ça a été une expérience tout à fait exceptionnelle, d'une telle richesse, d'une telle profondeur, d'une telle rigueur, d'une telle discipline. Ça a été véritablement une grande leçon de vie et de métier. Et je travaille comme travaillait Balenciaga encore aujourd'hui. J'arrive le matin à 8 h dans mon atelier. Il y a un mannequin vivant. Et il y a ce qu'on appelle la toile. Canvas. Et je travaille comme un sculpteur. C'est la page blanche de l'écrivain, c'est pareil. Je prends la toile et je commence à travailler. Je moule la toile sur ce corps avec mes ciseaux et mes épingles. La haute couture ne se dessine pas, elle s'invente. Et donc, ce qu'a été mon travail, c'était de créer ces signes. Mais non pas pour que ce soit un signe, mais parce que c'était intuitif. C'était quelque chose qui est venu seul. Je ne l'ai pas forcé. Je ne force pas mon talent. La couleur, pour moi, est un langage. Ce sont des signes très forts. Ce sont des messages, au fond. Le drapé, c'est pareil. Le drapé, il y a comme une espèce de façon liquide. Ce que j'appelle, ce sont des robes liquides. Tout ça devient comme de l'eau. De l'eau qui traverse le corps, qui accompagne le corps dans son mouvement. Et c'est ça qui est beau, c'est le mouvement du corps. Bien sûr, parce que j'aime les femmes. J'aime les femmes et surtout, je veux leur prouver que je les aime. Et non seulement je veux le prouver, mais je faisais cette tentative permanente, quotidienne, d'anticiper leurs propres désirs. C'est ça que je veux. On ne peut pas définir la beauté, mais on peut dire qu'il y a un idéal de beauté. C'est cette sérénité, cette force intérieure, ce nouveau visage de femme que je recherche en ce moment, qui est cette femme neuve, libre, qui n'est pas du tout excessive dans son comportement, mais qui a une force intérieure extraordinaire, qui se comporte avec une tendresse, un amour, une ouverture. Il n'y a pas de jugement, il y a simplement le désir d'être soi-même. Apri gli occhi, sventra con lo sguardo un ipotetico futuro. Dove smettere di specchiarsi la faccia nell'ombra terra. Ava Gardner. E poi tutti i sogni, tous les rêves de femmes. Un peu, il y a toute cette histoire un peu proustienne où, pour faire une femme, on a pris, ou j'ai pris plutôt, des images de femmes.
des rencontres, des femmes que j'ai connues, des femmes que j'ai aimées, des femmes que je n'ai pas connues. Ce sont des rêves de femmes. Anouk aimée, non seulement parce qu'elle est belle, parce qu'il y a, chez elle un mystère qui la rend complètement fascinante. Et c'est ce que j'aime chez une femme. C'est cette sorte de secret. Elle est arrivée et la vie a été totalement différente avec elle. Parce qu'il y a une capacité de bonheur et de vie chez elle tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de totalement introverti. J'ai le goût du secret. Elle est une femme pleine de vie, pleine de désir, pleine d'amour, pleine de tendresse. Elle est d'une générosité incroyable. Parce que le dernier défilé que j'ai fait de haute couture, par exemple, je suis retourné aux sources, comme on faisait avant, à l'époque, dans un salon, sur le sol. Et le public était en contact direct avec ça. Sur ces podiums, avec 2000 personnes, il y a une espèce de dépersonnalisation. Il y a une mythisation de la mode qui n'est pas une vérité, encore une fois. Il y a là-dedans une mise en scène, ça veut dire ça devient un show business, ce n'est pas notre métier. La mode italienne est extrêmement valable, c'est évident. En quelque sorte d'intelligence du marché. Ils ont compris certaines choses que les Français, eux, nous avons beaucoup plus le goût de la créativité et de l'exploit créatif plutôt que le côté commercial, comme ont su exploiter les Italiens. Oui, ça restera toute ma vie Balenciaga.